Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas commencer son repas par de la salade. Salut, salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Je suis Christophe, je suis napsothérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne les gens pour détecter et corriger leurs erreurs de comportement, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi de l'activité physique et du sommeil. Tout ça dans le but d'améliorer sa santé, son niveau d'énergie, perdre du poids et mener la meilleure vie possible le plus longtemps possible. Si tu fais partie des 88% de spectateurs qui regardent mes vidéos sans être abonnés, alors je t'invite à t'abonner dès maintenant. Maintenant, en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines publications. Bon, avant de poursuivre, je veux t'expliquer que là, je suis dans le bureau de ma femme. Il est 22h et je suis en train de tourner cette vidéo loin de la chambre de mes enfants pour pas les réveiller. J'ai une très grosse semaine, donc en fait, c'est le seul moment que j'ai trouvé pour enregistrer la vidéo puisque je la publie demain matin comme tous les vendredis. Du coup, pour être à l'heure, il fallait que je la tourne aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te parler de quoi? Je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois pas commencer ton repas par de la salade et par des crudités en général. Et je vais me focaliser en particulier sur le repas du midi. Prendre un repas, ça sert à apporter des nutriments à ton corps, mais aussi à te faire plaisir. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est important d'activer les zones de récompense du cerveau à travers les repas, notamment la dopamine, qui est une hormone du bonheur, on va dire du bien-être, hormone que tu peux idéalement activer le matin grâce à ton petit déjeuner si tu en prends un. Mais après, pour le reste de la journée, le relais de la dopamine, c'est ce qu'on appelle la noradrénaline, et c'est ce neurotransmetteur qui va te permettre d'être en forme toute la journée sans subir de coups de barre. Parce que il faut savoir que c'est normal entre 13h et 14h de ressentir un petit creux au niveau de l'énergie, parce que ça coïncide avec un creux au niveau des cycles cérébraux et des cycles hormonaux. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux optimiser ton repas du midi pour limiter au maximum ce léger creux et profiter au mieux des bienfaits de l'alimentation et de ton repas du midi. Alors, il faut savoir que la plupart des gens reviennent de leur repas du midi avec un taux de noradrénaline qui est complètement effondré, ce qui explique qu'ils ont un gros coup de barre en début d'après-midi et qu'ils sont complètement inefficaces pendant environ 2 heures après leur repas. Déjà, avant d'aller plus loin, j'ai envie de te partager un conseil qui est assez universel, c'est que, idéalement, il faudrait laisser entre 4 à 5 heures entre chacun de tes repas. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce temps-là qu'on va commencer à brûler des graisses, donc c'est un bon moyen d'éviter de stocker du gras pour rien. Et s'il se trouve que tu as faim entre 2 repas, c'est probablement que ton repas précédent n'a pas été suffisamment riche en nutriments et pas assez rassasiant par rapport à tes besoins, notamment riche en protéines et en bonnes graisses. Alors, rentrons dans le vif du sujet, c'est quoi une assiette idéale pour un repas du midi qui va te préserver du coup de barre de l'après-midi? Alors, on va le séparer comme ça. Il faut imaginer une assiette avec 60% de légumes d'un côté et 40% de protéines de l'autre. Et surtout, tu ne devrais pas commencer ce repas par du pain blanc et de la salade. Et je vais t'expliquer pourquoi juste après, reste bien avec moi. Surtout si tu accompagnes ta salade de sauces salades industrielles qui sont souvent bourrées de sucre et de sel. Alors pour les légumes, là tu as le choix et l'idée c'est de le varier le plus possible et de mélanger les couleurs autant que tu peux. Et après pour les protéines, pour connaître la quantité de protéines dont ton corps a besoin par jour, il y a une astuce assez simple, il faut prendre ta taille en centimètres et te dire que tu as besoin au moins de cette quantité en grammes de protéines. Alors pour faire un exemple, imagine quelqu'un qui fait 1m90, c'est-à-dire 190 cm, et bien il va avoir besoin d'au moins 190 g de protéines par jour. Si la personne mesure 1m60, il va falloir 160 g de protéines par jour. Ces protéines, ça peut être quoi? Ça peut être de la viande, du poisson, des œufs, mais on pourrait aussi très bien penser à de la feta, du tofu pour les végétariens ou végétaliens. Bref, n'importe quel aliment qui soit riche en protéines fera l'affaire. Par contre, le problème des protéines, c'est qu'il a un effet acidifiant sur l'organisme. C'est là, selon moi, son principal désavantage. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut tamponner cette acidité, c'est-à-dire venir neutraliser cet effet acidifiant en consommant suffisamment de légumes. En effet, les légumes ont un effet basifiant, c'est-à-dire l'inverse de acidifiant, et ça permet ainsi de rééquilibrer la balance acido-basique de ton repas. Idéalement, bien sûr, il faut choisir des légumes de saison. Et il faut faire attention parce que certains légumes sont plus sucrés que d'autres. Par exemple, la carotte est très sucrée, le maïs est très sucré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait du sirop de fructose à partir de maïs. Et après, il y a aussi, par exemple, les petits pois, les lentilles, le quinoa, qui sont quasiment des féculents, donc qui apportent beaucoup de glucides. Et donc, ton repas du midi, idéalement, il faut que ce soit un plat unique. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'entrée,
le plat principal et le dessert, puisque plus le repas sera riche et plus ton énergie du début d'après-midi va être impactée négativement. Et bien sûr, évite d'accompagner ton repas du midi par une trop grosse quantité de pain, parce que tout ça va faire que ton système nerveux lié aux neurotransmetteurs va être bien endormi en début d'après-midi. Et il limite aussi tout ce qui dit sauce, sauf à la limite peut-être les sauces tomates qui peut être intéressante. Et avec une assiette de ce type, je te garantis que tu n'auras jamais de coup de barre en début d'après-midi. Et bien sûr, un conseil important, c'est que tu devrais prendre ton temps pour bien manger, pense à bien mâcher tes aliments et aussi profites-en pour manger en pleine conscience et pas faire trois activités en même temps, c'est-à-dire jouer avec ton smartphone ou regarder la télé ou être devant ton ordinateur pendant que tu manges. Ça, c'est très mauvais. Il vaut bien mieux prendre le temps de manger à plusieurs et de discuter ensemble, par exemple. Et ça, ça te permettra de digérer bien plus facilement et te permettre de continuer ta journée de manière bien plus efficace que si tu avais mangé un plat de pâtes ou une pizza, parce que là, c'est le coup de barre assuré. En gros, ce que tu dois retenir, c'est que le midi, tu peux très bien te passer de féculents. À la limite, si tu as fait du sport avant le repas du midi et que tu as besoin de re-remplir tes réserves, tu peux remplacer une partie des légumes et des protéines par des féculents. Et du coup, ton assiette ressemblerait plutôt à une assiette qui contient 50% de légumes, 30% de protéines et 20% de féculents. Et pour finaliser ton repas par une touche sucrée sans te jeter dans un dessert ultra calorique, tu peux prendre un carré de chocolat noir à 80% minimum. Personnellement, c'est mon petit rituel à moi. On va dire 5 à 10 grammes maximum de chocolat après le repas, c'est idéal. Et éventuellement, tu peux finir ton repas par un thé, une tisane ou un café. Attention toutefois, si tu as mangé une source de protéines qui est riche en fer, comme de la viande rouge, les fruits de mer, les abats, je pense par exemple au foie, au rognon ou au boudin, eh bien il faut savoir que la caféine, ou même la théine, empêche l'absorption du fer par l'organisme. Le mieux c'est d'attendre au moins une heure après le repas, avant de boire ton café ou ton thé, pour limiter ainsi les interférences et avoir une meilleure assimilation du fer contenu dans tes aliments. Et d'ailleurs, tu peux même optimiser et augmenter l'absorption du fer en ajoutant des sources de vitamine C à ton repas. Il y a par exemple des légumes très riches en vitamine C, hein, comme les brocolis, la plupart des choux, ou encore boire un jus de citron sans sucre, bien évidemment, pendant le repas. Alors maintenant, je vais répondre à la fameuse question. Pourquoi il ne faut pas commencer ton repas par de la salade ou des crudités en général? Eh bien, parce que l'intestin a besoin d'être préparé pour une bonne digestion. Et si tu attaques directement ton repas du midi par des crudités, tu risques d'avoir plus de problèmes digestifs, plus de ballonnements, et ta muqueuse intestinale peut être irritée. Donc pour éviter ça, il faut idéalement commencer son repas par quelque chose de chaud, comme un bouillon par exemple, voire même une infusion, même si ça paraît un peu bizarre comme ça. Mais une fois que tu as bien démarré ton repas comme ça, pas de problème, tu peux bien sûr incorporer des crudités dans le reste de ton plat. Alors bien sûr, il y a des personnes qui n'ont aucun problème de digestion, qui pourraient vraiment manger n'importe quoi au début, au milieu ou à la fin du repas. Mais il se trouve qu'une grande partie de la population a des problèmes de ce côté-là, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc, ce que tu devrais retenir, c'est que si tu manges des crudités, commence par quelque chose de chaud pour préparer tes organes internes à recevoir ces crudités et à les digérer correctement par la suite. Ce que tu devrais retenir de tout ça, c'est que le repas du midi, tu oublies les pâtes, les pizzas, le fromage à gogo, bref, en tout cas tout ce qui va être lourd à digérer, mais favorise les protéines et les légumes, et je t'assure que tu n'auras plus de coups de barre. Si tu as appris des choses avec cette vidéo, mais que tu veux aller encore plus loin avec moi, je t'invite à t'abonner à ma newsletter quotidienne parce que tous les matins à 9h, j'envoie à mes lectrices et à mes lecteurs un email écrit la veille pour le lendemain, ce ne sont pas des séquences automatisées, et dans lesquelles je partage énormément de valeurs, de pépites, d'astuces, d'informations pour apprendre à mieux gérer son alimentation, des techniques pour perdre du poids sereinement, durablement et sans mettre à risque sa santé. Pour t'abonner, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo. Tu peux bien sûr te désabonner à tout moment, je mets un petit bouton se désabonner à la fin de chacun de mes emails. Promis, je respecte vraiment ma parole. À partir du moment où tu as cliqué là-dessus, je ne t'enverrai plus jamais aucun mail. Voilà, maintenant que c'est dit, je te laisse aller t'abonner maintenant. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.